ثمة مرض يؤثر في حياتنا بكل جوانبها، مرض قد يكون لتشخيص المرء به مفعول مدمر. أود أن أؤكد على أنني أعتبر الكشف المبكر خطوة مهمة جدا في الصراع ضد السرطان. يصاب شخص من أصل كل 3 أشخاص بهذا المرض في حياته. لكن أنواع السرطان التي نعالجها اليوم في مراحل مبكرة لا تشفى كلها. السرطان هو أحد أكثر الأمراض تعقيداً من حيث العلاج، لأنه يدخل في تكوين خلايا جسم الإنسان. السرطان ليس مرضاً غريباً يغزوك من الخارج، بل هو يدخل في صلب طبيعتنا البشرية. جرى ابتكار بعض العلاجات الجديدة الرائدة. هذا علاج جديد بالنسبة إلينا، ولم نصل إلى استعمال هذه التكنولوجيا في العلاج. هذه العلاجات تعطينا جميعاً احتمالاً بأننا قد نتمكن في يوم من الأيام من هزم مرض السرطان. Maladie la plus ancienne et la plus partagée, le cancer touche tous les êtres vivants, y compris les plantes, depuis la nuit des temps. On a d'abord cru qu'il était lié aux humeurs, qu'il était contagieux, viral. Aujourd'hui, on lui suppose une origine génétique. Pour bien comprendre, il faut revenir au fondement de l'approche génétique. Elle postule que l'ADN contrôle tout dans notre corps. Le cancer proviendrait d'un dérèglement des codes régissant notre organisme. Avec un gène abîmé, muté, cassé, les cellules échappent au programme génétique. Si certaines cellules échappent à ce contrôle, ce qui est le cas du cancer, elles échappent au programme génétique, c'est ce qu'on appelle une mutation. Il est possible d'utiliser notre système immunitaire pour éliminer des cellules cancéreuses, mais là aussi, l'ennemi résiste. Les cellules cancéreuses peuvent souvent contenir un enzyme qu'on appelle IDO, qui détruit un de nos acides aminés, qui s'appelle le tryptophane, et suite à cette destruction, les lymphocytes, les cellules de notre système immunitaire, les globules blancs de notre système immunitaire, qui se mettent à attaquer des cellules cancéreuses et qui sont donc autour d'elles, à cause de ce manque de tryptophane, arrêtent de fonctionner. Et donc c'est un mécanisme important par lequel des cellules cancéreuses peuvent échapper complètement à une destruction par des lymphocytes qui viennent les attaquer. Les moyens de lutter contre le cancer existent. Ces traitements, souvent complémentaires, s'utilisent seuls ou en association selon le type du cancer et son environnement. Ils permettent soit d'éliminer la tumeur et de guérir le patient dans les stades précoces, soit, à l'image d'une maladie chronique, de contrôler son développement. Ces traitements sont principalement de 3 natures. La chirurgie, qui consiste à ôter la tumeur, partiellement ou dans sa totalité. تعد العمليات الجراحية أقدم أنواع العلاجات، حيث كانت العمليات الجراحية السلاح الأنسب في محاربة السرطان قديماً، حيث تمثل مبدأ الجراحة باستئصال الورم بكل بساطة. La radiothérapie, qui expose la tumeur à des rayonnements pour empêcher la multiplication des cellules malades et entraîner leur destruction. نستطيع أن نقتل كافة الخلايا السرطانية إن عرضناها لكمية كافية من الأشعة، لكن المشكلة هي أنه علينا أن نتجنب المس بالخلايا الطبيعية المحيطة بالخلايا السرطانية، فيبقى التحدي هو تعريض الخلايا السرطانية لجرعة عالية من الأشعة وتخفيف هذه الجرعة قدر الإمكان على الخلايا المحيطة بها. La chimiothérapie, qui consiste en l'administration de substances médicamenteuses pour détruire les cellules cancéreuses ou empêcher leur prolifération, quelle que soit leur localisation. Les cellules cancéreuses, par définition, se multiplient très rapidement. Cette multiplication, elle est permise par ce qu'on appelle des facteurs de croissance sous forme de petites billes vertes. Les cellules peuvent réceptionner via des capteurs dont elles sont dotées en très grande quantité, ces facteurs de croissance, vous voyez ici ces capteurs. Quand on va donner des médicaments de chimiothérapie, là on vous les a schématisés avec des boules rouges, on va les injecter dans l'organisme, ils vont, ces médicaments, venir se fixer sur les récepteurs que l'on a vus tout à l'heure, et ils vont venir prendre la place des facteurs de croissance. Du coup, ça va priver la cellule cancéreuse de sa nourriture, en quelque sorte, et ces cellules cancéreuses vont finir par mourir, et par définition, la tumeur va régresser. Jusqu'à présent, la chimiothérapie et la radiothérapie agissaient sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur certaines cellules saines, ce qui explique leurs effets secondaires. هل يجب علينا أن ندمر بهدف أن ننقذ؟
إن العلاج الكيميائي إضافة للعلاج بالأشعة يعدان من الأسلحة ذات الحد المزدوج، وفي كثير من الحالات يعدان علاجين متممين لمواجهة السرطان. بعدما جمعنا بين التكنولوجيا والمعرفة العلمية، يبدو مستقبل علاج الأورام السرطانية أكثر إشراقاً بالنسبة إلينا جميعاً. إننا نحرز تقدماً على مستويات مختلفة عديدة، من المستوى الجيني إلى مستوى تطوير الدواء، وصولاً إلى العلاج الدقيق بالأشعة أو بالتقنيات الجراحية. أعتقد أننا إذا حاولنا استهداف الأورام السرطانية بطريقة أكثر علمية، فإن ذلك سيمنحنا فرصة أكبر في استئصال هذه الأورام أكثر من الماضي.